YouTube, bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode sur Zelda Talk. Nous nous retrouvons sur la quête le trésor de rêve de Lambda 1 à cette fameuse croisée entre Ur et Rug, Tragite et Borka dans les confins de Tabenta. Donc, Tragite, Borka, Urg. On m'a parlé de ruines. Voilà, elles sont là. Et comme vous pouvez le voir ici, juste avant, hein, il y avait un certain sanctuaire Sheikah qui n'est plus. Il a été arraché du sol violemment. Donc, on nous avait dit trois poteaux. Le plus épais cache un trésor. C'est pour ça qu'il a été arraché salement, ce sanctuaire. Nouveau, grotte des colonnades antiques. Est-il un quelconque ennemi? Faut faire attention par rapport à l'Élusis, qui est plus bas. On va d'abord récupérer ça. Ah, il y a un autre truc là. À quiconque lira ces lignes, un trésor à nul autre pareil, obtenu dans de mystérieuses contrées, t'attend à l'intérieur d'un coffre caché. Résous l'énigme ici gravée et les choses du rêve seront tiennes. Sur les plaines d'Hyrule, là où les guerriers épris de gloire autrefois s'affrontaient, offre ton espadon de soldat aux deux combattants de pierre. Et le chemin de ta récompense te sera révélé par la pointe de l'épée. Yeah. C'est par rapport à Link's Awakening. Cette tenue aurait appartenu au héros captif d'une île mystérieuse que nul ne pouvait quitter. Voilà qui donne envie de la porter ou pas. Aucune pitié, tu reprends juste le machin, tu l'exportes dans ce jeu-là, tu le mets au taille. C'est ta carte. Une plante va rester comme ça. Mince. Bouge pas. Mais tu la prends ou pas, ta graine là? Sérieux? Ok, donc il a dit le monsieur. Trésor de Lambda 2. Sur la plaine d'Hyrule, là où les guerriers épris de gloire auraient autrefois s'affronté. Non! Pas dans le. En plus, il faut qu'on lui trouve un espadon de soldat. J'ai compris ça, que c'était. Il est où? Il est là. Sur l'amphithéâtre. Mais il faut un espadon, à part s'ils nous en fournissent. Hein. Moi, je veux bien. Tout.
Sinon, les autres. Tiens, la huitième héroïne. La huitième héroïne. Est-ce qu'on a un truc chaud sur nous? C'est dans ce sens-là. Hop là. Il faut juste qu'on trouve... de quoi l'illuminer. Je crois qu'on en a dans notre sacoche, mais ils doivent nous en fournir. Ils doivent nous en fournir. Ah mince, froid insupportable. C'est quoi qu'on voit là tout devant? C'est la naine? Non, ça doit être Ebra. Ah, il y a un dragon! Non, c'était pas un dragon, pardon. C'était des îles. Aucun rapport. Alors, on est là. Le soleil est là. Pour je ne sais plus combien de temps, mais... est-ce qu'il y a... Yes! Il y en a combien? Il y en a qu'un, je suppose. Non, il y en a plusieurs. Ok. Ok, on est allé chercher celui de derrière, mais vu qu'on a trichouillé. Ça gratouille. Quand même, faut que ça tienne à l'intérieur parce que... dans la statue. Wow, 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 wow. Calmez-vous. Là, ouais, mais assis. Voilà. Une verrouille. Je prends flamme à cause des... Il y en a plein, c'est ça? Il était tout juste, hein? S'occuper du volant. Bouge pas. Mince, il est pas dedans. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Le volant arrive? Non, il est juste couillon. Je crois que c'était pas prenable en photo les...
pourriez vous rassembler. Vous seriez chou. Voilà. D'accord, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais espadon de voyageur. Il me faut un espadon de soldat. Épée de soldat, tiens. Il doit y avoir peut-être un espadon de soldat. Lance de voyageur. Flèche en bois. Du coup, non. Hein. Hop là. Merci. Sérieusement? Ah ouais. J'ai cru que c'était une nouvelle stèle. À mes souhaits. Alors. Arrête-toi. Ça peut se rapprocher, mais c'est pas tout à fait ça. Du coup, alors, trésor, trésor. Voilà. Oh oui, non, les pirates. Au pied du cap Tubor, qui s'avance sur la mer de Necluda, se trouve une grotte abandonnée par des pirates. Joue de tes lèvres une note et la porte vers le trésor s'ouvrira. Oui, il faut qu'on siffle, quoi. Alors, on a dit cap de Tubor, Necluda, Necluda, cap de Tubor. Pas là. Cap. Ah. Donc, c'est par ici. Et au pied du cap de Tubor, qui s'avance sur la mer de Necluda, se trouve une grotte abandonnée. Oui, de toute façon, faut qu'on fasse les lusis ici. Oui, les lusis. Moins qu'il soit caché, attendez. Il est peut-être caché. Et toi? Oh. Il y a pas d'Elusis.
C'est la déception. Attendez, on vérifie. Hein. Parce que là, ils me font forcément descendre par là. Et là, ils me font forcément descendre par là. Donc non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas tout le temps, tout le temps. Oh, il fait très froid. C'est pas très grave, puisque... nous allons ici. Oh. Ah oui, oui, oui. On va passer par là. La prochaine fois, je me dis qu'on fera peut-être un souvenir, ou ça dépend si... Si là, finalement, je décide que voilà, quoi. Voilà. Bam! Oh, coucou, Nidrak! C'est pas du tout dans le sens où je veux aller. C'est pas grave! Vachement loin. Allez, non. On résiste. Prouve que tu existes. Là, voilà. Coucou. Donne-moi ton orbe. On va mettre deux. Hein. Pas du tout. On avait dit qu'on avait vu tous les champis. Regardez-moi ça comme ça. Bien fait. C'est pour que jusqu'à présent, nous étions allés dans l'autre sens. Le problème étant que... nous avons besoin d'une gemme. Et que nous n'avons pas. Il va quand même nous donner la quête. Il y a quand même le téléporteur. Fais offrande au sanctuaire d'un cristal, blablabla. Oh merde, celui qui l'a. C'est pas grave, moi j'ai le téléporteur, je suis contente. Ils sont tous fait défoncer la gueule. C'est toi qu'on a pas pris, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. On t'avait pris toi? Semblerait. Commence à y avoir un léger brouillard. Allez, tiens, prends. Un canon. Mais ça, c'est bien qu'on puisse quand même avoir les téléporteurs. Mais bon, comme c'est un golem... Je sais pas si on les a déjà pris en photo. Enfin... Mmh,
golem max ultime. Ah, on a atteint la capacité maximale. Alors, normalement, dans l'eau, j'avais aussi une jolie photo. Voilà. On a combien des golems max d'ailleurs? Il nous en manque. Bref, nous allons au point bleu. D'accord. C'est par là. Il doit quand même y avoir un truc plus proche. Je suis sûr que... C'est bizarre, il n'y a pas de... De sanctuaire à l'île Finalis. Effectivement, d'en haut, on voyait bien où qu'il était le point pour prendre le sang. On voit toujours mieux d'en haut, hein, où il faut s'arrêter. Aussi là-bas. J'ai l'impression que le haut a changé. Attendez. Ah, il y a forcément un Korogu. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je vais retrouver mon ami. Bam. Ça fait mal aux yeux. On a du coup, on a remis notre... Est-ce que il suffit de te jeter en bas parce que je suis sûre que ton ami il est en bas. Elle peut pas. Pardon maintenant. Ah oui. Non, mais moi ce que je voulais voir c'était l'île Finalis. Ah non, c'était juste ça. De loin ça faisait. On avait l'impression que c'était brillant, mais non. C'est bon. On voit bien le Korogu. Va piquer des œufs. Dites pas à la maman de... Des poussins. Donc les pieds sont encore plus pieds. Genre... Vraiment. Crotte de baroudeur.
mince. Mince, mince, mince. Pourtant, on nous a dit au pied. Attendez. Alors. Au pied du cap Tubor, qui s'avance, se trouve une grotte abandonnée par des pirates. Ah là là, faut qu'on triche encore. Attendez, avec une main, c'est pas facile. Ah. Ah bah le pied, c'est là que tu trouves ton pied, toi? Je viens de me rendre compte que c'était très bizarre sorti de son contexte, cette phrase-là. Vraiment, top qualité. De quoi? Oui! Non! Ils l'ont fait! Mais regardez-moi ça! Bon, on le voit pas très bien, mais c'est le bateau de Wind Waker. T'as cherché quoi, en fait? Ah, à part t'en prendre plein la gueule, à quoi? Qu'est-ce que tu cherchais? Ah. Nous avons un problème. Ah, ça va être sur le bateau, c'est ça. Ils ont même mis les petits détails là. Ah. Mince. Ok, qu'on monte. Oh, c'est tout grosse. Merci pour les planches. Ok, arrête de l'abîmer. Hop.
coffre. Merci pour la flèche. Boum! Alors... Mince, je devrais pas accélérer... Attends, mais je... Mais voilà! Moi, je voulais y monter comme... comme ça, vraiment monter toute personne lambda. Mais nous ne sommes pas une personne lambda. Et lambda l'a prouvé. Boum! Hey, hey, soldat. Un espadon de soldat, un espadon de soldat, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on jette. On peut monter tout en haut. Bam. C'est là qu'il lit le machin. Il n'y avait rien là-haut. Dire. Tant qu'on y pense... Bam. Peut-être que nous avons des petits problèmes. Ah. Merci quand même. Mais arrêtez.
Putain. Je vérifie juste si... oui, c'est que c'est... Non... Un espadon de soldat, donc... Ce que j'ai là dans mes mains. Oui. Désolée, je fais mon marché. Vous voulez peut-être me retrouver après que j'ai fait mon marché ? Je comprends. Voilà. Alors, nous nous retrouvons ici. Et nous allons forcément à l'amphithéâtre. C'est juste à côté de cette tour-là, donc ça va. Ça va. Honnêtement. Faut juste qu'on n'ait pas à se battre contre des gens. Bah si. Non, c'est là. Alors, sur les plaines d'Hyrule, là où les guerriers épris de gloire autrefois s'affrontaient, offre ton espadon de soldat aux deux combattants de pierre. Et le chemin de pierre. C'est vraiment là. C'est peut-être pas ici, hein. Ça doit pas être ici. Parce qu'il a dit sur les plaines d'Hyrule et je sais pas si ça fait partie des plaines d'Hyrule en fait. Sinon, est-ce qu'on peut aller... Place de commerce... ici. On peut tricher jusqu'au bout. Si c'est bien ici. Ah, c'est l'extérieur. Ok. On était à ça. On était à ça. Parce que, attendez... Ouais, c'est... Ah, il y a une quête dedans. Hop. C'est vrai qu'on avait fait s'envoler hein. Un Kurugu. Ici. Bon, il va pas pleuvoir. Cool.
Il y a aussi un Korogu. Non, c'est... Parce que là... Nous, ça s'appelle amphithéâtre. Mais ils l'ont appelé Colisée. En anglais. Coliseum. Alors que nous, c'est amphithéâtre. Après, peut-être que par rapport aux japonais, c'était... Plus... Je sais pas. Tu veux-t-il que... Voilà. Va-t-on réussir? Oui, difficilement, mais on va réussir. En espérant que ce soit la fin ici. Ah. Ils ont même laissé leur petit four. T'en lâche. Ah non, c'est juste que je l'ai pas fait. Excusez-moi. Ah. Ce trésor de lambda, il est censé être où de base, ce grotte? Ah oui, du coup confanta benta qui où c'est qui sont. Prairie gelée de Tabenta. Les bras. Pleine d'hérule. Confin de tabata. Voilà. Ah. C'est pas là qu'il était. Je sais pas, il le met pas dans le confin de Tabata, mais ah, c'est peut-être dans Colline d'Hyrule, je sais pas. Ah, c'est ça, ils l'ont foutu dans Colline d'Hyrule au lieu de le mettre dans le confin de Tabata. Rends-toi au Rind de l'amphithéâtre sud-ouest, blablabla. Fais attention, il y a un qui s'est installé là. Tu peux l'affronter ou l'éviter. Si tu choisis de seconde solution, approche l'amphithéâtre via le nord. Ah, on est au sud. Alors, construis une sorte de paravent. Tu peux l'affronter avec deux grandes planches en bois côtelé. Puis, tout en tenant le paravent devant toi, entre dans l'amphithéâtre et pars sur la droite. Tout en restant dos au mur, évite d'arriver de l'autre côté, près de la statue du chevalier, pose le paravent dans la partie la plus basse, saisis l'espadon, pointe-le vers le bas dans les mains de la statue. Ok.
peux l'éviter. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'a priori, il y aurait de quoi si vous c'est pas le l'aggro avant. Je savais, j'aurais pas dû. Secours. Allez. Voilà, tout va très bien se passer. Alors, on va quand même se mettre ceci là. Mais calmez-vous. Moi, j'ai jamais vu des armes comme ça. Ça va vraiment marcher. Attendez. Oui. Et part sur la droite tout en haut. Arrivée de l'autre côté près de la statue du chevalier. Pause. Voilà. Thank you.
Alors. Il y en avait une juste à côté. Qu'est-ce ? C'est passé. Que ça, je suis déçue. L'autre là, l'autre. Et du coup, pour la troisième partie, à qui compte lire la série, blablabla. Alors, dans les collines d'Hyrule, Dranier tient dans sa main des ruines couvertes d'arbres tels de grands champignons. Relis-y à l'heure de midi l'ombre noire du pilier du sud à celui du nord. Au centre de l'obscurité s'ouvre. Ok. Ok. Boum. Double espadon. On a fait quelque chose de... de risqué. Mais nous y sommes arrivés. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans nos cartons? Pardon, j'oublie tout le temps. Les jumeaux. Dans l'ouest de Necluda se dressent deux jumeaux. Et deux grottes sœurs se font face, montrent le symbole de la cadette devant l'aîné aux portes. À l'ouest de Necluda se dressent deux jumeaux. Les géminés. Et deux grottes sœurs se font face. Oui. Du coup, ça va être les géminés, mais allez donc savoir. Les grottes sœurs. Où qu'elles sont. Là et là. Attends, on va partir de là. Oui, on est en train de se faire toutes les tenues du jeu. Eh oui. Alors. Où sont les géminés? Où sont les géminés? Là. C'est bon. C'est parce qu'on les voit pas jumeaux là. Non! Pourquoi il y a toujours des. Il va faire jour en plus. Vas-y. Aussi, là-bas, il fait jour pourtant. Ah non, c'est qu'il fait encore jour. C'était où au niveau des géminés? Se dressent deux jumeaux et deux grottes sœurs se font face.
c'est au niveau des géminées ou pas? Je suppose. C'est quoi, elle a déjà fait celle-ci? Non. Pourtant, oui, il y a un boulier. Et il y a un sanctuaire aussi. Oula. Lâche Link. Des fois Link est insistant. C'est pas vrai. Bam. Blablabla, offre-moi un cristal, blablabla. Attends, c'est par là-bas? Wow! Il y a un vœu de sage là-bas. Nous ne sommes pas fous. Voilà, elles se sont un peu télescopées, là, les deux îles. Hop. Non ! Je m'énerve. Oh ! Une tête de golem ! On en avait encore jamais eu ? Je crois qu'on a tout là. À peu de choses près. Alors, où sont mes géminées? Pas là. Ici? Oui, c'est ça. Korogu là. Korogu qui va où? Ah, faut pas toucher le sol, c'est ça? Voilà! Bon. Où sont mes deux grottes jumelles? Attends, vous êtes sérieux? Il y en a un là. Là, avec ces trucs de merde là. Hein? Attends, c'est ça. Il y en a aussi un là. Pardon. Je croyais que j'étais encore avec Emprise. Celui-là, parce que celui-là c'est plus rapide. Mes grottes sœurs. Là. C'est pas une grotte. Parce qu'en bas on avait regardé partout, mais pas de grotte.
Attendez. Ah là, il y a une grotte. Ok, donc là, l'autre, elle doit être en face. Où qu'elle est ? On est censé se faire face, hein. Elle est là. Ok. Oh, je lui ai mis vachement bas le machin. Symbole. Mince. Mais pourquoi t'as fait ça? Là, là, en premier, les arcs en premier. Je sais pas. Après de bouger. Donc ça, j'ai l'impression que c'est la grande sœur, vu qu'elle est en haut. Lâche. Est-ce que on peut... Au revoir. Désolé, hein, mais... C'est ça son symbole. Symbole. Comment est-ce qu'on va faire? Le truc. Et comment va-t-on faire? Vas-y,
pas là-haut. Ok. Donc, on a dit. Alors. Non. Non. Voilà. En haut, enfin, en bas à droite. Ah non, faut mettre les cailloux. Mais Link, attends, arrête. Voilà. Merci. Regardez comme on est beau en Tingle. Ça donne quoi déjà Tingle? Vitesse de nuit. Tout simplement. C'est pas la nuit. On va enlever ça là. Oui. Et pour l'instant, on va aller à notre maisonnette. Et on va se dire au revoir là. Juste pour avoir la petite musique. Voilà, voilà. Alors quand on les cherchait, ils étaient pas là. Maintenant qu'on les cherche plus, ils sont tout le temps là. Quelle est bien cette baie vitrée. Mais comment on la ferme-t-on? Je suis cachée. Désolée. Je me prends trop pour Tingle. Voilà, voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commentez, likez. Même partager la vidéo, venir nous rejoindre sur Twitch et suivre la chaîne, mais aussi rejoindre le serveur Discord, follow les comptes Instagram et Twitter. Voilà, voilà. En tout cas, encore un grand merci et à une prochaine fois. Bye bye.